Il y en a plein qui sont déçus du non-entartage, hein. C'est vrai? Bah ouais, il y en a plein qui sont là, non, nul. Mais Kevin, t'as rigolé! Non, mais de quoi? Allez, entartez Jeanne, allez, entartez Jeanne. La vérité, Kevin, la vérité, c'est que c'est toi. T'as fait, alors, c'est toi, c'est plus fort que moi. Eh bien, on verra, on verra. On verra tout à l'heure. Non, Kevin, maintenant la tarte à la crème. Kevin, non, Karine. Voilà, boum, ça c'est fait, arrête là. Alors, trop bien. Oh là ça là. Se sera payé au centuple, ah, et au Karine Solomon. Oh là payé là. Au centuple. Dis donc, t'as failli faire du mal à la star de Lego Fred derrière. Hein. Oh oui, désolé, pardon. Ah bah attention. Hein. Alors, très bien, j'en étais où? Je te déteste. Oui, alors, bah tiens, tu vas lancer le truc suivant. Johan, oui. tu sais qu'il n'y a pas longtemps sur la chaîne, c'est très compliqué pour moi de faire un lancement comme ça. Tu sais, tu rigoles Antoine, évidemment. Est-ce que quelqu'un peut continuer à lui étaler la crème? Est-ce que, non, Johan. Tu te rappelles qu'il y a peu de temps, nous avons mis une... Oh oui, oh oui. Ah non, pas avec le truc, non. Attends, deux... La farine, Kevin. Attends, Johan, repars-toi après. Non, repars-toi après avec le machin. La farine, Attends. Stop. Laissez-moi terminer cette émission. Non, surtout pas, après ça va. Non. Désolé, Avenivici. Moi, je propose la douche au coca. Kevin, la douche au coca. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, les filles. Non. Voilà, merci, ma vengeance est arrivée. Alors, c'est... Eh bah tiens, Johan, tu vois comme c'est compliqué de lancer comme ça. Johan, il y a très peu de temps dans l'émission, grâce à Levana dans l'émission, nous avait fait 2 200 000 vues sur une vidéo et les Gullivers n'étaient pas contents, Johan. Ah. Et pourrais-tu expliquer aux Gullivers pourquoi ils n'étaient pas contents? Ils le savent, ce qui s'est passé. Attends, ouais, merci de m'ouvrir le micro. Hey, check, copain pour la vie. Oh là là. L'idée, c'est que... C'est un peu bizarre, on va faire des crêpes ce soir, les gars. Ouais. Ne pas gâcher, ne jamais gâcher. Oui, on faites va pas ramasser, ça à la maison. Hein. On va mettre du lait, on va faire des crêpes, ok? Check, copain. Alors okay. Donc, Johan. Alors, Johan, j'ai pas trop envie. Hein. Elles sont... Non, elles sont faites avec passion et amour. Alors, il faut savoir qu'il y a un mois et demi, on avait reçu Levana sur un super live. Exactement. Et on avait tenté un prank sur Neo The One, qu'on adore. Ce qui s'était passé, c'est que, bon, bah, il n'avait pas répondu. Qu'on a quand même fait une petite découpe qu'on a postée comme ça pour rigoler. Ouais, moi, hein, bah, parce que c'était un dimanche, j'étais allé à la chasse aux champignons. Et donc? Oui, je fais la chasse aux champignons. Et du coup, elle a fait 2 200 000 vues, elle a fini dans les top 7 tendances. Tout le monde a dit, ouais, mais en fait, il s'est rien passé dans cette vidéo. Ce qui n'est pas faux. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de retenter un prank auprès de Neo The One. Et de cette fois-ci, on espère que... comment t'appelles ça, Kevin? Alors, un reboot. Ouais, nous allons faire un reboot. Un reboot now. Un reboot, c'est... L'idée était bonne d'être amoureuse de Neo, c'était bien. Bah, oui. En fait, ouais, il faut garder la même. C'est Levana, t'appelles Neo, en plus c'est ton pote, et tu lui expliques que tu l'aimes. Ouais, et très puis bien. On verra bien ce que ça va faire. Le numéro de téléphone. Oui, ah, c'est avec mon téléphone, du coup. Hop, alors. Bah non, c'est avec le sien, faut qu'elle appelle... Ah bah oui, c'est avec le tien. Levana, t'as le numéro de la Sophie, la maman de Swan The Voice? Oui, mais du coup, faut faire dièse... Non, pas obligé, justement, il faut qu'elle sache que... Il faut qu'elle sache. En attendant, je rappelle... On est parti chercher le téléphone. Pendant que le téléphone est à chercher, si vous êtes en cours de route, on est sur une émission Lego Friends pour le Gullive aujourd'hui, samedi matin et mercredi prochain dans l'après-midi, spécial amitié. Je pensais que ce serait une émission un petit peu simple, il y a des filles adorables et tout. Non, j'ai fini quand même avec de la mousse rasée sur la figure. Du coup, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, vous y allez. On aura la petite Jajou avec nous samedi matin, Gullive-du-bas-officiel Instagram-du-milieu-officiel sur Snapchat. Et on est parti pour... Allez. Je te déteste. On est parti pour le prank, donc allons-y. Ah bah, c'est un vrai reboot. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Ah, on réessaye. On réessaye. Là-bas, c'est deux fois. Après, si au bout de deux fois ça marche pas, tu laisses un message et puis on verra bien ce que ça donne. Exactement. Ok, attention. Mais le message amoureux, hein, d'accord. Inès du 93, je vois bien tes messages. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale amitié autour de l'univers. Amitié. Restez. Oui, tout à fait, l'amitié entre nous tous. Ah bah, ça se voit. Hein.
Et toi, Kevin, et puis ces super copines qui sont là, en tous les cas, trois sœurs et une cousine. Okay. Exactement. Trois. Alors, on essaye de rappeler Néo pour un prank tout de suite. Décidément, on n'a pas de chance avec toi et Néo laisse sur les pranks. Et message, c'est pas grave. Si ça marche pas, laisse un message. Ouais, message. Laisse un message, tu lui dis je t'aime tellement. Ouais, mais en chanson, tu sais, en lyrics. Ah oui, oui, en chanson. Le silence. Le message. Le message. Tu lui dis que tu l'aimes pour que tu m'aimes encore. Vas-y. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Sophie. Merci de me laisser un message et vos coordonnées. À très bientôt. Attention, vas-y, la déclare. Ouais, c'est Levana. En fait, je voudrais parler à Néo, mais puisque vous n'êtes pas disponible apparemment, bah. Je vais le dire maintenant comme ça. Enfin, j'ai des sentiments pour lui, je sais pas si lui-même. D'amour ou d'amitié, mais en tout cas, il est si près de moi et en fait, je sais pas comment l'aimer. Et puis, il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié, donc... Bon, en fait, moi, je l'aime et je vais lui offrir ma vie, même s'il veut pas de ma vie, mais... Enfin, je rêve de ses bras, mais je sais pas comment l'aimer, quoi. Bon, bah voilà. Merci de me répondre. À plus tard. Un tonnerre d'applaudissements.